Et à la une, donc, ce témoignage exceptionnel de la femme qui accuse le député de l'Ain, Damien Abad, de tentative de viol. Damien Abad, on le rappelle, éphémère ministre, hein, limogé après plusieurs accusations. Il est toujours député actuellement à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, donc, la seule femme qui a porté plainte dans cette affaire a accepté de témoigner au micro de RMC pour des faits, vous allez l'entendre, qui remonteraient à 2010, du temps où elle était militante au Nouveau Centre. À l'époque, il était député européen, président national des jeunes centristes. Pour des jeunes militants que nous étions, c'était, entre guillemets, notre chef. À chaque fois qu'il m'a proposé des rendez-vous en tête-à-tête, je les ai refusés. Pour autant, je continuais à militer à ses côtés et aux côtés des autres jeunes centristes. Il a assez rapidement été en mode drague légèrement insistante, assez lourde. Je rentrais pas du tout dans le jeu, je déclinais. Lorsqu'on est militant politique, on est aussi une bande d'amis qui s'engagent, qui passent ensemble des moments politiques et puis aussi des moments de détente. J'ai été invité à une fête avec d'autres militants politiques. Lors de cette fête, on est passé au-delà de la drague lourde et j'ai été victime d'une tentative de viol. J'ai réalisé que ce n'était pas un fait isolé, comme pendant des années on avait pu me le dire. Puisque pendant 12 ans, j'en ai parlé. Pendant 12 ans, j'avais alerté des personnes qui, pour certaines, avaient minimisé les faits et j'avais la croyance d'un fait isolé et non pas de faire répéter. Ce qui a changé dans ma vie, c'est de savoir que je n'étais pas la seule. Parce que jusqu'à la fin de mes jours, je vivrais avec la culpabilité de me dire que si j'avais porté plainte à l'époque, peut-être qu'elle n'aurait pas été aussi victime de Damien Abad. Et c'était mon devoir de porter plainte pour que ça cesse, pour que les femmes aussi se méfient quand elles sont en sa présence, parce que moi, jamais j'aurais imaginé qu'ils puissent me faire ça. On n'imagine jamais qu'un homme va vous violer, ou qu'il va essayer de le faire, ou qu'il va essayer de vous droguer. Et j'espère que les autres femmes vont se dire aussi qu'il faut que ça s'arrête et qu'elles iront toutes porter plainte. Voilà pour ce témoignage et on rappelle que Damien Abad lui conteste informellement les accusations. Il affirme qu'il n'aurait pas pu commettre les faits qui lui sont reprochés à cause de son handicap. Alors que les obsèques de certaines victimes ont d'ores et déjà été célébrées, une marche blanche est prévue demain à Vaux-en-Velin, près d'une semaine après l'incendie dramatique dans le quartier du Mas du Taureau. Un hommage sera rendu donc aux 6 adultes et aux 4 enfants qui ont péri dans cet incendie. Un moment de recueillement qui débutera à 10h devant l'hôtel de ville. Le cortège se rendra au pied de l'immeuble sinistré. Lucie Nolorg. C'est en hommage à Imane et Chérine, ses deux cousines, et pour toutes les victimes qu'Ayette a décidé d'organiser cette marche blanche. Aujourd'hui, son chagrin est immense. C'est trop dur, elles n'ont rien demandé. C'est très très dur. C'est un drame, je ne sais pas comment vous expliquer, franchement. Je suis totalement anéantie, quoi. J'ose même plus passer devant le bâtiment parce que... Je ne sais pas comment vous expliquer, franchement, c'est très très dur, c'est très très dur. Encouragée par son entourage, elle a lancé un appel via son association qui aide habituellement les jeunes du quartier à partir en vacances. Ça a été vite fait, j'ai organisé ça hier soir, j'ai mis sur les réseaux sociaux, j'ai mis sur Facebook en tant que les Roses des Sables 69. J'ai mis l'information, donc voilà, pour rendre hommage vraiment... aux personnes décédées, personnes qui sont encore hospitalisées. Samedi dernier, près de 400 personnes étaient rassemblées pour un hommage. Pour cette marche blanche, Ayette attend encore plus de monde. Beaucoup de Vaudais s'engagent déjà à être présents. Parce que cette histoire elle a touché tout le monde et on se sent tous concernés par cet événement tragique. Et on se doit de faire cette marche, au moins ça, quoi, pour les familles, pour tout le monde. On est tous concernés. C'est un village, on est tous concernés. Et je crois que plus on est malheureux, plus on est solidaire. Le rendez-vous est donné à 10h ce jeudi sur la promenade Lénine devant l'hôtel de ville. Le cortège marchera jusqu'au 12 chemin des Barques où une minute de silence et un lâcher de ballon blanc sont prévus.
L'actualité dans la région avec la chaîne de magasins GoSport qui obtient un sursis basé en Isère et en grave difficulté financière. Le tribunal de commerce de Grenoble accorde un délai jusqu'à la mi-janvier pour sauver l'entreprise et éviter le redressement judiciaire. Un juge enquêteur a été nommé, GoSport qui a 4 magasins chez nous dans la métropole de Lyon. La ministre de la Transition écologique en visite demain à Décines, Agnès Pannier-Runacher, a rendez-vous demain à l'OL Vallée pour la présentation du plan de sobriété d'OL Group avec le fameux slogan « plus 20, moins 20, plus 20% d'énergie renouvelable produite par l'OL Group et réduction de 20% de la consommation d'énergie ». Nouvel épisode de notre série de Noël. Toute cette semaine, on vous donne des idées de cadeaux si jamais vous êtes en panne d'inspiration, mais pas des cadeaux forcément matériels. On vous propose plutôt des activités insolites à offrir, comme cet atelier pour confectionner soi-même un bijou. C'est à Lyon et Pauline a testé pour nous. Offrir un bijou est un cadeau classique pour Noël, mais avez-vous déjà pensé à offrir un atelier de fabrication de bijoux ? C'est possible avec vous, Cécile, dans le Vieux-Lyon. Bonjour. Bonjour. C'est abordable techniquement de faire sa propre bague, par exemple ? Oui, bien sûr. Ici, à l'atelier, on peut venir réaliser une bague en 4 heures et je vous accompagne sur toutes les étapes. Eh bien, alors, je vous écoute. Comment on fait ? Alors, on va partir au début d'un fil de laiton qu'on va ensuite marquer par endroit parce qu'on va faire en fait une forme de bague carrée sur le dessus. Donc, on va créer nos repères. Ensuite, on va venir limer pour pouvoir plier le métal plus facilement. Et une fois qu'on a limé et créé toutes nos encoches, avec une pince, on va venir créer la forme du carré. Et ensuite, on va venir consolider tout ça en soudant avec le chalumeau. Ah, donc c'est moi qui fais aussi la soudure de mon propre bijou. Je vais y arriver ? Oui, tout à fait. Je vous accompagne pour bien vous guider sur les nuances du métal qui vont être importantes à observer. Et c'est surtout que ces soudures vont être indispensables pour que le bijou soit bien solide. On va pouvoir créer une dernière pliure. On va venir, même chose, venir limer, plier et ressouder aussi cette partie-là. Ah oui, on voit que ça prend forme. C'est très plaisant à faire. Pour terminer, on va venir rendre notre bijou brillant. Donc on va utiliser ce qu'on appelle un tour à polir avec des brosses et des pâtes dessus qui vont rendre le bijou très brillant. C'est une étape en général qu'on aime bien parce que c'est assez magique. D'un coup, hop, ça brille. Et ensuite, on va finaliser en mettant notre fil en forme pour créer le corps de bague pour pouvoir porter notre bijou. Merci, elle est vraiment très jolie et très originale. Si vous voulez offrir un atelier de fabrication de bijoux, Cécile Crépelière vous attend dans le Vieux-Lyon. Le sport avec un mot de rugby, puisque les Lyonnais se déplaceront demain à Toulon, 13e journée du top 14. Objectif pour le Loup, repartir de l'avant après une défaite en championnat face à Bayonne et 2 défaites en Coupe d'Europe. Et ce sera les retrouvailles avec Pierre Mignoni, désormais entraîneur du RCT. Pour Pierre, il va avoir à cœur de gagner et de remonter ses joueurs pour jouer, pour qu'ils fassent un gros match contre nous. Il y a eu pas mal de turnover et l'arrivée de nouveaux coachs, donc ça commence, la mayonnaise commence à prendre, donc ça va aller. Il ne faut pas qu'on perde confiance par rapport à ce qu'on a proposé sur les 2 derniers matchs en Coupe d'Europe là.